ara en tori ke fo meden fadi adi ko wete na ko le mo seeni be meden yeso e meden men haa delegation seeni be ara ko no woni ko seeni ni do hande fo meden ko pinga dudal meden nebu ngal ko ngal uddita woni haa ngal dum ndiga ngal herai jama leedi ni ngal ngal hal biti foti diga ngal fay heedi dingo dudal ngal kala rukino do ara ko woni ko mo biiri jama on do ara teddu ngal yeso be ben fo mabbe mawbe ben e teega ligi Je me fais le devoir de faire la situation actuelle des Kayolonyu comme suit. Encadreur, nous sommes au nombre de 4. Je suis le 15e directeur de cette école. L'effectif de cette école, actuellement, il y a 166 élèves, dont 94 3 salles de classe fonctionnelles, 6 niveaux pédagogiques, CP1, 34 élèves, dont 17 filles, CP2, 49 élèves, dont 32 filles. CE1, 26 élèves, dont 19 filles. CE2, 17 élèves, dont 7 filles. CM1, 21 élèves, dont 10 filles. Et CM2, 19 élèves, dont 7 filles. Dans cette école, nous avons quand même un peu de difficultés. Comme l'insuffisance des tables bancs. Les 166 élèves, il n'y a que 69 tables bancs. Dans les salles de classe, le ratio des élèves sur les tables bancs est de 2 jusqu'à 4 élèves par table banc. Alors, cela va perturber aussi le bon fonctionnement des cours. Alors, on a manque de points d'eau, manque de logement. Alors, c'est pourquoi je profite à cette occasion de faire appel à la communauté, les ressortissants et les résidents, de aider à cette école, construire un logement de mettre au sein de l'établissement, trouver un point d'eau potable pour l'école, renouveler le grillage de la clôture de l'école, et je prie le bon Dieu que l'avenir des enfants de Kayolonyu soit le meilleur plus que le vôtre. Vive Kayolonyu, vive l'union, vive la paix. Camarade Lassa. Distingués invités, chers parents, amis de Dano, assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, il y a une photo pour vous dire que la France est en train de se faire. Nous sommes en train de se Français, yes au monde. Par exemple, Gaharaï, il nous dit la scène. L'ambe même nos gars. Eco football, eco sonjongo, eco jagan kebe. Et Aragon Wadi, discours Wademo et français, Pétrin et Poulard, Matéhaké. Pour commencer, je voudrais vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Et vous souhaitez la bienvenue à cette cérémonie de pose de première pierre du projet de reconstruction de l'ancienne école primaire de Kayolonyu. Une école, comme l'a souligné monsieur le directeur, qui est construite depuis 1960 et qui a vu se succéder au moins 15 directeurs. Le tout premier directeur, pour ceux-là
nos doyens qui sont là, ils savent, ils s'appellent, ils s'appellent Mahmoud Silla, et l'actuel s'appelle Alassane Camara. Donc cette école qui est ici, qui est tombée en ruine depuis plusieurs années, nous souhaitons la reconstruire. Parce que depuis qu'elle est tombée en ruine comme ça, elle a privé notre localité d'une infrastructure qu'elle a tant besoin pour l'éducation de ses enfants. Donc c'est pour changer cette donne que les fils résidents et ressortissants de Kailondji Bembo ont décidé d'unir leurs forces pour reconstruire cette école de 3 classes qui a contribué à la formation de plusieurs enfants, de plusieurs générations, aussi bien de Kailondji que de la sous-préfecture de Sogolon en général. Le projet de reconstruction de cette école est initié par la communauté de Danlo à travers Kumpital Danlo, qui est une plateforme qu'on a créée sur WhatsApp pour permettre à tous les fils et à toutes les filles de Danlo de se retrouver, d'échanger d'idées et de stratégies pour le développement de notre localité. Donc, ce Kumpital Danlo dont je parle a mis en place un comité de pilotage des projets de Danlo qu'on appelle en abrégé CDP Danlo, qui est chargé de la mise en œuvre de ce projet. Et ce projet est estimé à environ 270 millions de francs guinéens de la cause de la première pierre qu'on va effectuer tout à l'heure jusqu'à la remise de la clé avec tous les équipements qu'il faut. Et le financement sera assuré par les ressortissants, les résidents et toutes les bonnes volontés que nous sollicitons pour qu'ils nous appuient. Je profite déjà de l'occasion pour remercier ceux qui ont contribué déjà en apportant de l'argent, en apportant du matériel pour faire de ce projet une réalité. Et j'encourage aussi vivement ceux qui ne l'ont pas encore fait à nous accompagner dans la concrétisation de ce projet. Ce projet vise à accroître la capacité d'accueil de cette école. Tout à l'heure, monsieur le directeur a présenté l'état actuel. On n'a que 170 élèves, 166 élèves. Donc nous souhaiterons vraiment accroître cette capacité et permettre à beaucoup plus d'enfants de notre village, de notre communauté, d'avoir de nouvelles salles de classe. Donc 3 nouvelles salles de classe qui vont s'ajouter à ces 3 qui existent là pour compléter le cycle primaire à 6 classes. C'est vrai que l'école existe depuis 1960, comme il l'a dit, et nous souhaiterons à l'avenir compléter le cycle primaire, comme je l'ai dit, mais aussi envisager à l'avenir un collège. Déjà, dans la sous-préfecture de Sogolon, il y a, si je ne m'abuse, 2 autres collèges. Un collège à Tourcoum et un autre à Baralandé. C'est beaucoup, mais c'est nettement insuffisant pour une sous-préfecture qui est vraiment la plus grande, si encore une fois je ne m'abuse, qui a le plus grand nombre de populations au niveau du Télémélé, à tout cas si je juge par le nombre d'électeurs qu'on voit sur les listes électorales. Donc, nous rêvons d'avoir un collège et nous rêvons pour la sous-préfecture de Sogolon un lycée. Parce que parmi les sous-préfectures, il y a des sous-préfectures à Télémélé qui ont même 2 lycées. Donc, nous souhaitons que dans un futur très proche, que Sogolon ait son lycée. Et nous souhaiterons également, dans un futur très proche, ne pas se limiter seulement à cette école,
pour le district de Kalundi. Le district de Kalundi qui a trois secteurs. Il y a Kalundi Centre, il y a Dundung et il y a Gadale. Tous les Galafons font partie de Kalundi. Donc trois secteurs. Nous souhaiterons à l'avenir développer d'autres projets pour d'autres villages de Kalundi. Soit en construisant une école, soit en construisant un poste de santé, soit en réalisant des ouvrages de franchissement, que ça peut être un pont, parce qu'on en a besoin, par exemple, sur la rivière Leki qui sépare Galalé à l'autre partie du district. Voilà des projets que nous ambitionnons pour le futur de notre district. Et cela n'est possible que dans l'entente et l'unité. C'est pourquoi, à travers les réseaux sociaux, à travers Internet, nous avons pu vraiment nous organiser et mettre en place un comité de pilotage, mais aussi avoir un groupe WhatsApp où tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut donner son point de vue pour le développement de notre localité. Ça, c'est un acquis et je puis vous assurer que notre groupe, on a des représentants aussi bien en Guinée qu'à l'étranger, en Afrique comme en Europe. Dans la salle ici, vous avez nos représentants qui sont en Angola, il y en a qui sont venus de la Côte d'Ivoire, comme Aliou Ba, qui est le coordinateur des ressortissants de Kalundi en Côte d'Ivoire. Il y a El Hadj Ibrahim Ba, et voilà, le président de notre hôpital, et qui vient de l'Angola très récemment. Nous autres, il y a M. Diallo Oumar, qui est enseignant qui est à Télémélé. Il y a El Hadj Hamad Sy aussi qui vit en Angola. Aussi, il y a M. Kadirou Ba, il y a Alpha Oumar, il y a Tanou, il y a Mamadou Alpha. Donc, c'est vraiment toute la communauté qui est représentée ici. Cette cérémonie. Notre effort pour l'école là ne vise qu'une chose, accompagner les efforts du gouvernement dans la qualification du système éducatif guinéen. Nous savons que l'État fait beaucoup de choses, mais la société civile aussi peut faire beaucoup de choses pour qu'on puisse améliorer le système éducatif. Nos villages sont souvent dépeuplés, sont victimes d'exode rural à cause du manque d'infrastructures scolaires. Nous, on a fait le primaire ici, mais il nous a fallu aller ou à Kindia, ou à Fria, ou à Dubreka pour pouvoir continuer nos études. Donc, tant qu'on n'a pas des infrastructures scolaires, on ne peut pas aller vers vous, les autorités, de demander pour avoir des enseignants de qualité. C'est pourquoi, après la réalisation de cette infrastructure, nous viendrons vers vous pour solliciter votre appui auprès des autorités compétentes pour qu'on ait suffisamment d'enseignants pour qu'on puisse vraiment améliorer la qualité de l'éducation dans notre village, dans notre district. Voilà ce que je voulais dire en français et avec votre permission, avec votre indulgence, je vais un peu réunir en poula à l'intention de ceux qui ne comprennent pas français. Nous avons fait trois classes maintenant parce que quand on voit quelque chose dans nos autos, là, il fonctionne normalement. Araï, ok. Maintenant, araï, pour nous, même pas la population, il faut donner des doutes. On les garde et gagne. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont fait une école de finance. Beaucoup de gens qui ont fait ça. On a mis 270 millions de wonis. Dédié pour avoir confié au projet. Nous avons fait un peu de bruit. Nous profitons de nous avons fait un peu de bruit. Araï kodo woni programme men ko nado do bodo ko wada 5e manere ko men no ganjo woni to ay passa ma do ko men na hebuno bani
M. Saïd Sinao, notre premier directeur. Mais nous, nous sommes retraités. Depuis 2013. Je suis économiste financière de formation. Je suis le fruit de cette école. Je remercie tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont abandonné leurs activités malgré leur agenda trop chargé pour participer à cet événement majeur. C'est un jour inoubliable. Membre de Jokbeton, Fogno Veltana, Haïsas, Bonteton,
ha e suka be wonbe ton be ha e sonna be wonbe ton be ha e jama toli be do iu be toni njoddu ha e gani njoddu haray fo no weltana no jarna no suana e badi o delegation women county ka CDP kumpita dando no e ka CDP utaw de ko babiraabe am woni yeso an do kono ni tawde ko biddo mon ka woni on yewtude haray do tanjini ala ko satti e mum haray wano alfa mariam tire ni president kumpital dando naam haray mi fala on bangi nande do seeda ko hadaf mana objectif mana faida kumpital dando gal e ko honnu woni kumpital dando e ko honnu formi kumpital dando hareno jeya e hadaf kumpital dando piji sedaaji de tawde tan on no rabbidi e sitay tun sedaaji majji ara non dun ne jeya ko wiyete faida formugo kumpital dando jogindirgo bibbe dando be ko fak mabbe de wona hunde wotere de tawde bibbe dando be ko dum tawi bibbe dando be taw mawbe mum be fo hino jogondir ino woni hunde wotere tay dum hino hana wurnitede de tawde hunde den sibe nebi ha de kornay sinde korni de bawle sinde bawdi de mettay la bi hadaf di mom fi formugo kumpital dando ko wadugol habi be dando be fo be wonta ka Allah wadi be don honni wonugol nene goto baba go tawa biddo dando so immike kaydo jido o yahi dundum ma o yahi gada leki ma o yahi jenje ma kala ka o yari so yewti haray himo santi ka makko woni ko sidun don fe'i no jeya e ko woni hadaf kumpital dando wallita gol dando no dando bantora sabbi be dando be taw dando no banti hare dando ha na yanu gol foto ma be naaki loni hare nene mawde ne wertan ki no onu sukarde onu gonde formde o jokkere en tan ne wati ki so ke je mawdo be yo wertan be waye so be de to be lanni no hala ko do ko nyaati jamanu nangata do mi jaman e fondo ko do ko ni fuddo so mangade e ko no baay burano yawtu do ni ni jet tan tay mo go sena mana ko lan min ali an karan kat ko den hikade babe makko ikka yembere adala mina ko den hikade jalla sin fuddani do bi sa ko e kati ala di sa do lami dando ci hebne en ne tan mo to dum ko yettere no kan ko ni mo to fo e dogodi e fo yo yo go jokku en dan ko seedi tinan go mo na hande fuddi de taw mo to hinga dogodi mo to en ad jok jonni ala di sa mo to gando ne fo na o ma o e haray ko kambe jogondi ha jonni ala di sadu rani dubi sappo tati si hebben en de panda alhamdulillah rabbil alamin ko makila kilakara wakila e matte kambe ala di sadu hadi hadi o hadi baranda ma kamba jahde ga hafi shala na fitara wolete ko shogo matte e kambe mawbe tukum den e mawbe deli de den ene ka ka lupe de niwre ndaren no wakilore te joko ni mawbe gando fo e mawbe tukum e mawbe deli hay 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 bombala no nen ya de yayi nen asawi ala ko yo yen yawte de niwre arenga sun ko jokkere en ta wona imi gol ko o gando kuma ko tukum ko fo ko jokkere en mawbe ko dum de mati haray alhamdulillah rabbil alamin ko mawbe na tuloni haray ko an 50 nit ko ko hebe tengal le pandan do ko do mo ne ku turun do o fo ka e pandan do ko de fayte ne do wala mo di majo do si fortoni ko kande fu isina do
woɓɓe maɓɓe hade hewtaani woɓɓe maɓɓe feƴƴiti woɓɓe maɓɓe no fewnditi si waɗa on ɓe capanɗe jeego ɓe janngi ɗo duuɓi tati ɓe jaati kamɓe gouvernement men o ɓeyni faa yaɓɓe faa e fof mbiye ɓeynude ko député Ibrahima arno diɗi ɗo kanko député Ibrahima on no telmile on kanko arno jetti ɗo on ɗo o arde on ñoo onon sohlo on heɓi commandant banggani maara ɓe arde ma inni ko o ɗo woni o arata commandant moɗon ɗo e o dini ɗum ko jokkere enɗan alhamdulillah rabbil alamina si tawi enen ɗo ono sukaaɓe dambe ɓen fof min tori on ko yo wakkilo jokkon enɗan wona innugo ko koɗumam beɗumam on fof wanno wiiɓe min sere bo ala wattu ton e kala e ton mbaɗama hino yo kamɓe tout e hino mala kongo hino suuge hino e nder sohlo mo fof jokkondire jogondiron ala ko ɗum nafata en alhamdulillah rabbil alamin haray noon mawɓe ɓen ɓe maaki ɓe weltanike ono sukaaɓe ɓen ɓe weltanike ɓe yeesoɓe ɗoɗo alhamdulillah rabbil alamin haray ko ni ko yo ɓeydu wakkilare ɓay ko mo tawɗa no gollanta yo wakkilo haray mawɓen ɓe naati ko ɗum si haray koɓe watti yeesokima koye wakkilo allahuma salli ala seigneur chers invités vaillante population de Dando vraiment aujourd'hui nous sommes très contents et très ravis à plus d'un titre. Si l'occasion est opportune pour la reconstruction de cette école ou l'élargissement des infrastructures qui existent déjà au sein de cette école. L'école primaire de Kailoni est une école qui a été créée il y a longtemps. Mes prédécesseurs l'ont rappelé. 2 ans après l'indépendance guinéenne, Kailoni avait déjà son école et qui a fonctionné à merveille. La preuve est là aujourd'hui, la présence des premiers cadres de cette école. Et au nom de Madame la DPE, la directrice préfectorale de l'éducation de Télimélé, mes messages, nos mots s'adressent d'abord à la population résidente qui n'a ménagé aucun effort pour garder en son sein les cadres, tous les enseignants qui ont passé ici avec des qualités et des défauts. Et nous remercions aussi les ressortissants qui ont eu cette idée de reconstruire l'ancien bâtiment. Et nous leur souhaitons bon vent et que Dieu puisse leur permettre tous les projets annoncés ici à notre présence qu'ils puissent les réaliser à temps. Amen. Et Kailoni emboîte le pas à certains villages de ce volon. Construire une école ou reconstruire une école, il y a le village de Djurkwe qui a déjà fait, le village de Bunduteli qui a déjà fait, le village de Malakondo aussi qui en a fait. Et le coordinateur l'a si bien dit, le gouvernement est là pour accompagner, ou les autorités éducatives pour accompagner la population, pour que tout enfant guinéen puisse aller à l'école. Mais, nous le savons, le gouvernement, l'État, est un père de famille. Il a beaucoup d'enfants. Il ne peut pas satisfaire aux besoins de tout le monde en un seul instant.
Vraiment, nous vous remercions. Et la main tendue par vous trouvera preneur. Toutes les autorités éducatives, la DBE de Télémélé, la DSE de Télémélé, accompagnera ce projet jusqu'au finish. Et l'instruction, l'éducation, essayons d'éduquer nos enfants. Il y a un Français qui a dit qu'après le pain, le premier besoin d'un peuple doit être l'école ou le savoir. Donc après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple. Ce qui fait que tous les gouvernements, tous les pays qui réussissent à éduquer leurs enfants n'ont pas assez de problèmes de gestion humaine ou de développement durable. Donc souhaitons que notre pays, avec l'éducation, avec la collaboration de tout le monde, avec tous les partenaires, que nos enfants réussissent et reçoivent une éducation de qualité. Et yetti Allah subhanahu wa ta'ala kumindir do en do hande lenyalande do menen ala ko men holla sina meden yelti meden weltani jama dando wan woniri non en foko do jibinade si woni min ga village kam jibina don hakkunde village on e turkun e village on e kaydo jibo ka seppugol are ko do burla mbatta ara en fu ko do jandude sontini non biddo kelduɗo ko mawdo kelduɗo heɓi aray e weltanto mawɓe men ɓen janngugol ko piiji tati ko janngowo paykun wakkili kun e mawɗo mo aama accituɗo golle mum ɗen inni paykun kun yo janngu ƴetta ko mari kon jokkintina kun ayna kun e jannoɓe kelduɓe wonno jannoɓe kelduɓe no heɓo kono marugol ngol kadi ko jama ummarata ɓe wano président API o makiri ɗo ni nane ma président no ɓe DC no makiri ɗo ni haray ɗo danno kala ko golla ɗo ko miɗo tanjini koyna o école ɗo ko ressortisan dandu ngol wano labtane men on ɗo ko ressortisan dandu ngol wano o juulirde men ɗo ko ressortisan dando e mawɓe dando golli moƴƴerle barki mawɓe men ɓen ɗo wano juulirde wona rentule fuuta no wodi juulirde buy wonade hande juulirede hara ko hippade uddita kono arani juulirde no ɓuuri ɗe darnade e dépensede ɗum kadi ko jama dando on golli wano juulirde nden dando centre renouvelande hikka kadi si tawi jama ressortissan dando e gueɗal ɓe yaltuɓe tooliɓe ɗo e mawɓe wawa jonnirde sokeje nden juulirde ɗo golle hikka o école ɗo kadi fokkintine hikka haray menen autorité locale on e monsieur le sous-préfet haray ko meɗen welti haaka haaɗi ɗon monsieur le maire et son adjoint monsieur le DSE messieurs, mes frères ressortissants, chers invités, aujourd'hui, c'est un grand jour. Quand je dis grand jour, depuis que je suis à Sogolon, ça fait un an, quelques mois. Mais ce que j'ai vu ici aujourd'hui, on dirait que je me sens au paradis. Mais personne de vous ne peut le savoir, sauf le Tout-Puissant, Allah, qui connaît ce qui est là.
Je suis ravi. À plus d'un titre. Merci. Parce que son nom de haut de Barato, Ming Mission 1, pour Mangasan et Adela, Sogolon, qui Walugol, Yama Sogolon, Yama Sogolon, Yara, Yeso. Men Tambita, Seria Gidin, Kaledi, Kudon Adimé. Mais si nous pouvons nous donner un yaro de Yeso, puis nous nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde. Nous sommes donc, Maube Kailonji, on jarama, Nivir Tamion, Faibe Kailonji, on jarama, Nivir Tamion, Reobe Kailonji, on jarama, Nivir Tamion. Mi andi mi fami, et dans wad de Golemo. Parce que si Allah donne ma vie, il a donné mon école, a donné mon aloan. Parce que quand Gandal dit, on est dans le monde. Al-Gurana est français. Français, Kofi Walutugol en Kadunaga. Al grana ko ga e to donc mi andi ononga di ganda di de fo e don joki district di gonoga si mi ay ton ara nivelta di. Mais j'avais voulu, si je savais comme ça, parce que je ne m'attendais pas à cette réception. Si me donne un de nous, un invité à une présidente de cette guidoumfo, il y a un gars, il y a un nouveau nous fait du dégât. Parce que là, je tire chapeau pour le district de Kailonji. Si le district de Kailonji est un peu plus grand, magasin donc ici, c'est un simple rappel pour les parents d'élèves. Comme Torion, Maube Kailonji, Bourde Tambita de Be Faibe, Meng ressortissant bébé. Bourde Tambita de Be. Torin Allah. Yo Allah bantu fi makbe. Kobe inete ressortissant. Vrai ressortissant. Parce que ressortissant dans la catégorie Didi. Catégorie go. Ben wallahi ben gitali tabe iwi. Ibe waldu de yimbe makbe.
Si elle n'a aucune chance, c'est d'atout. Ou Iwi Kamako ou Yalti, c'est fini. On est guité complètement Kawaii. Mais on a dit de mon guité les gars. Kodun Wadi, si un joli, j'ai un tour de Allah. Yo Allah fantu fi mabbe jolla okude burdun do jolla okube ballal e cellal c'est à dire aujourd'hui je ne peux pas beaucoup parler parce que sincèrement vous allez prendre note parce que tout ce que les gens là sont en train de faire comme ça qu'on en commune. Mais on ne voit nous d'être. Parce que l'école de Dinka primaire, l'aptan de Dinka Oni Kamenga, c'est sous la coupe de la commune. L'État s'est défait d'une partie de ses responsabilités et son pouvoir donné à la commune. Donc c'est la commune qui doit veiller au bon fonctionnement des écoles et le centre de santé et les postes de santé, c'est à la charge de la commune. Donc, Dundo, à chaque fois qu'on noti ou bien un noti réunion, Baralan de To, Bé, Woulem, Fi, Kayoli. Je veux dire exemple, un bon exemple sur Kayoli. Que je vais recommander à la commune. Le vieux m'a pris comme son enfant et moi je le respecte. C'est comme l'ancien président. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Il est là. Voilà. Donc je le respecte. Il m'a pris comme son enfant. Donc vraiment aujourd'hui, on a suivi la lecture du directeur. Il y a des défis à relever au niveau de... Vraiment, Bourtin, Waldoudé, Faibemeng. Bourtin, Waldoudé, Faibemeng. Si Bédo Bédjangane, Bédouawata, si Adjangane, mais si Adjindi, Adjibay Hakil, go. Donc, si un jeté en d'air, ce que l'on fout, Kabantan, ainsi que Kailoni et tout. Parmi les trois, huit districts, plus peut-être Madame Kondo. Et tout ça, c'est l'apport des ressortissants. Donc, voilà pourquoi NN. Et de l'Oua Kadi Tambouti Dèv. Merci. Walloubè. Walloubè. Alakouyebè. Bourte Heboudè. Courage. Moi, Ben Kadi, je vais voir la couleur autour de Allah. Si Faye Ben. Amin. Je suis allé à la latin. Je suis allé à la latin. Yalla beydan on jole den beydan potaga beydan artikaji yaaji de geyde en turi kala kadi faybe men jango be do be kambe kadi be buro yon Allah okku en ministre be mo papa president de la republique yalla ko do amin yalla sallallahu alaihi wasallam amin Ah, gasi. Conseil CRB, Chérifo, Togolo.
Hey, get down, folks!